ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est déjà 15h15, très exactement. Je viens juste de me préparer un petit peu parce que depuis ce matin, je suis l'infirmière de la maison. Voilà. Pour ceux qui ont suivi peut-être la vidéo d'hier, je vous ai dit que ma petite fille était malade, que Aya était malade. Donc du coup, elle est restée à la maison. Je pensais que c'était une gastro, mais en fait, pas du tout. Elle a une angine. Et hier, vers la fin de la journée, je trouvais qu'elle allait plutôt bien, hein, qu'elle commençait à péter la forme. Et je pensais qu'elle allait pouvoir retourner à l'école aujourd'hui. Et à ma grande surprise, avant qu'elle aille au lit, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait pas du tout, qu'elle commençait à être vraiment pas bien. Et en plus de ça, son frère non plus, son jumeau non plus. Voilà, du coup, ce matin, bon, tout le monde est à la maison. Les enfants, les parents, mon mari aussi, il est un petit peu patraque. Enfin, ça va, lui. Ça, il est juste un peu patraque. Rien de grave, juste un petit Doliprane et ça va. Moi, ça va. Moi, ça va. Je pète la forme. Et du coup, je fais la petite infirmière pour les enfants. Depuis ce matin, franchement, ils font rien. Ils sont juste allongés. Vous voyez, d'habitude, qui saute partout, qui joue et tout. Ben là, on ne le reconnaît pas du tout. Il est juste allongé, il bouge à peine. Il n'arrête pas de s'endormir, petit bout, toutes les 2 minutes. Du coup, voilà notre journée depuis ce matin. Ils mangent quasiment rien. J'essaie de les faire avaler quelques petits trucs de force, limite. Enfin, c'est pas de force. Je fais des petits chantages. Tu veux un petit bonbon? Et si tu manges ailleurs, je te donne un bonbon. Et si tu manges un petit truc, je te donne un bonbon. Donc voilà, je fais un peu de chantage. Et je marque tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils prennent, à quelle heure, quand et pourquoi. Et l'infirmière de la maison. L'infirmière. Bon, allez, je vais aller voir comment ça va là-bas. Un petit film Netflix. Et voilà mes petits malades du jour, ça va? Ouais? Ouais, Will? Non, hein? Bon, ouais, il est un peu plus patraque. Aya, elle commence un petit peu, mais bon, on le voit à ses yeux, elle est bien cernée. Mais ouais, là, c'est son premier jour vraiment où ça va pas. Donc, il est bof, bof, hein, ce petit garçon. Et sinon, je vous disais du coup que je tenais un petit carnet avec les heures, à quelle heure ils prennent chaque médicament, ce qu'ils mangent chacun, etc. Parce que sinon, je suis perdue. Donc, je tiens un carnet de notes pour le Doliprane, pour l'antibiotique, pour ce qu'ils arrivent à avaler. Voilà, voilà, on fait comme on peut. Franchement, ça me brise le cœur de les voir comme ça. Vraiment, vraiment, ça me brise le cœur de les voir comme ça. Alors, Aya et Wail, on a énormément de chance avec eux. Ils ne nous ont pas habitués à tomber malades, même quand ils étaient tout bébés. Pourtant, c'était des prémas et tout. Ils sont très, 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 très peu tombés malades. Du coup, bah, je ne suis pas trop habituée. Et quand je les vois comme ça me brise le cœur. Mais ça me brise le cœur, vous imaginez même pas. Sinon, hier, je vous parlais du coup d'un calendrier qu'on avait commandé sur Amazon. Donc c'est un calendrier qui a dû coûter à peu près 10-12 €, quelque chose comme ça. Et du coup, on l'a commandé, finalement, il n'est pas arrivé, il a été perdu, il y avait écrit livré, mais on l'a jamais reçu. Et je voulais vous montrer du coup de quoi est-ce qu'il s'agissait et comment est-ce qu'on a remplacé ce calendrier. Peut-être que ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Je vous mets mon Insta juste là et je vous envoie le PDF avec plaisir, comme ça vous pouvez l'imprimer pour vos enfants. Je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Voici de quoi je vous parlais du coup. En fait, c'est un calendrier qui ressemble exactement à ça, sauf que c'est avec des couleurs, des petites images, etc. Et du coup, bah, il n'est pas arrivé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé. J'ai téléchargé un PDF que j'ai trouvé sur Internet et j'ai imprimé. Donc là, c'est janvier 2023. Et en fait, vous avez les carrés quand même qui sont assez grands et vous marquez ce que vous voulez dedans. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 13. Du coup, Aya, elle a coché tous les jours qui sont déjà passés. Là, c'est les jours du mois d'après. Donc, on les a retirés aussi pour qu'elle se rende compte vraiment de combien de jours est-ce qu'il reste pour le mois de janvier. Les petites croix, c'est les mercredis où elle a le centre de loisirs. Et en règle générale, on met un trait différent sur les week-ends. Mais là, elle n'a pas eu le temps de le faire. Et en fait, ce que je fais, c'est que pour chaque... Alors, on a commencé l'année dernière, début d'année dernière. Du coup, je leur imprime un calendrier comme ça. Et quand il y a un événement, eh ben, on l'écrit ou en général, on le dessine. Et du coup, les enfants, quand ils ont besoin de savoir combien de temps est-ce qu'il reste pour l'événement en question, si par exemple, je dis une bêtise, si par exemple, je leur dis on va à Disneyland et que c'est pour le 29, eh ben, plutôt que de revenir me demander tous les jours c'est dans combien de temps, ils n'ont plus qu'à compter les jours.
Et du coup, ils savent dans combien de temps. Alors avant, c'était un dodo, deux dodos, trois dodos. Bon, maintenant, ils disent un, deux, trois, quatre, nanana, il reste tant de jours. Voilà. Donc là, on a le mois de janvier. Là, derrière, bon, ça, on les a imprimés en recto verso. Hop. Moi, je les ai imprimés en recto verso. Donc là, c'est... Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Mois de janvier, donc le mois de février, je pensais qu'il fallait tourner le calendrier, mais pas du tout. Donc le mois de février, on a retiré les 2 jours de janvier, les jours de mars. Là, on a mis du coup les vacances scolaires avec les petites croix. Donc ça, c'est quand ils iront au centre de loisirs. Il faudrait que je le fasse aussi pour les mercredis. Là, c'est l'anniversaire de Lucas, donc un copain de classe. Donc on a bien indiqué son anniversaire, ils n'ont plus besoin de me demander, il suffit juste de se repérer par rapport au jour pour savoir dans combien de temps est-ce qu'il est déjà passé ou pas, etc., etc. Et donc voilà, et on continue comme ça, là pareil, un autre événement, etc., etc. Et donc là, j'ai mis toute l'année 2023. Alors là, l'événement qui est là, là on a mis un, en fait c'est, on a dessiné un carton et j'ai mis D comme déménagement. Sauf qu'on ne déménage pas le 8. En fait, on n'a pas de date exacte pour le moment pour le déménagement. Donc je leur ai mis le 8 pour avoir juste un repère parce que on n'est pas du tout du tout sûr. Comme je vous ai dit, on a comment ça s'appelle? On a des travaux etc. à faire et donc on n'est pas du tout du tout sûr du jour. Comme je vous disais, on n'est absolument pas sûr du jour, sauf que le 8, c'est vraiment la date au plus tard. Au plus tard, ça sera le 8. Donc, je préférais leur donner la date la plus éloignée pour ne pas leur donner la date la plus rapprochée et du coup, qu'ils se fassent de faux espoirs. Et quand la date arrive, bah, en fait, non, c'est pas la bonne. Donc, voilà, je leur ai mis la date la plus éloignée. Si c'est avant, eh ben, ça sera une bonne surprise. Et si c'est le 8, bah, ça sera le 8. Voilà, mais normalement, c'est pas la date exacte. Normalement, c'est un petit peu avant. Voilà comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, si vous voulez faire comme ça pour vos enfants. Alors, avant, j'avais mes enfants qui me posaient la question un milliard de fois à chaque fois qu'il y avait un événement. Ou parfois, je leur disais carrément pas les événements parce que mais je me disais, ils vont me poser la question 10 000 fois et tout. Franchement, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Et maintenant que j'ai trouvé ce système de calendrier, eh ben, c'est le bonheur. Les enfants ne me posent plus la question, ils reviennent, ils me demandent. Et là, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé à l'imprimer. L'année dernière, j'avais acheté du coup un calendrier qui tenait debout. Et là, cette année, bah, j'avais commandé, mais il n'est pas arrivé. Du coup, on a appelé Amazon, on s'est fait rembourser. Et j'ai fait celui-ci. D'ailleurs, je l'ai tout simplement agrafé. Vous voyez, j'ai mis 2 petits agrafes de chaque côté. Et c'est très bien, Aya va le tenir comme ça. En règle générale, j'en ai un pour les deux. Ils n'ont pas besoin d'en avoir un chacun. Ouais, quand il a besoin de voir quelque chose, il vient voir dans la chambre de sa sœur. Ils ont cette habitude-là. Voilà, je me dis si jamais ça peut intéresser certains parents, ça peut être plutôt sympa. Parce que souvent, alors les miens ont 6 ans. Donc, ils sont jumeaux pour ceux peut-être qui nous rejoignent tout juste. Ils sont 6 ans, ils sont jumeaux et ils n'ont pas encore la notion du week-end. Dans combien de temps c'est le week-end, dans combien de temps c'est le mercredi. C'est pour ça que je mets des petites croix quand est-ce qu'il y a le centre de loisirs, donc ils se repèrent que c'est le mercredi et c'est là où ils ont aussi leur activité sport. Et du coup, le week-end, pareil, en général, on le met aussi d'une couleur différente. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite sur le calendrier d'ailleurs, ou peut-être je vais attendre qu'elle vienne le faire elle-même. Comme ça, quand elle le fait elle-même, forcément, elle s'en rappelle plus facilement. Bon, sinon, il va falloir aller cuisiner un petit peu. Je vais essayer de faire des choses qui seront faciles à manger pour les enfants. Je vais essayer de faire une soupe. Je vais voir ce que j'ai pour faire une petite soupe. Et j'aimerais aussi leur faire un petit gâteau au chocolat sans beurre. Je vais essayer de faire un petit gâteau au chocolat sans beurre. Vous allez voir, c'est une autre recette par rapport à celle que je vous ai déjà montrée. Je vous ai montré avec des carottes. Je vous ai montré avec des courgettes. Je vais vous montrer avec un autre ingrédient. Alors la carotte et les courgettes, ça remplace le beurre. Et on peut le remplacer encore par autre chose. Je vais vous montrer ça. Je passe en cuisine et je vais venir préparer un velouté de légumes puisque les enfants ne mangent quasiment rien. Ils prennent que les médicaments, même les yaourts, etc. J'ai énormément de mal à les faire manger. Donc j'ai décidé de faire un velouté et voir si ça passe. Et finalement, c'est plutôt bien passé. Donc pour ça, j'ai pris un oignon, 4 carottes, 2 pommes de terre, 2 courgettes et une courge. Alors la courge, j'ai pris que la moitié.
Et du coup, c'est parti, je vais faire tout cuire au Thermomix, ça va me prendre beaucoup moins de temps, étant donné que ça cuit et ensuite ça mixe avec le même appareil, donc vraiment, c'est un gain de temps. Dans le Thermomix, je vais également mettre un petit peu d'eau, du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive, et c'est parti pour la cuisson. Petit Wail continue toujours à regarder un petit peu la télé, il est de moins en moins bien, le pauvre. Aya, quant à elle, elle a décidé de fabriquer un tiroir avec l'aide de papa. Bon, c'est parti du coup pour notre gâteau au chocolat. Donc j'y suis dans la cuisine, je vais tout faire en même temps. Voici du coup le fameux ingrédient qui va remplacer tout ce qui est huile, beurre, etc. Donc j'ai besoin d'à peu près 200-250 grammes. Là moi j'ai un peu plus de 250 grammes. Et du coup on va en faire une compote. Donc là je vais tout éplucher, en faire une compote. Là j'ai de la farine, du sucre, de l'arôme vanillé. On a besoin d'une cuillère. 3 œufs, la tablette de chocolat, j'ai besoin de 200 grammes, donc j'ai besoin de la tablette entière. Et c'est parti, on va mettre d'abord les... Alors c'est une recette, c'est la recette Thermomix, mais moi je ne vais pas la faire du tout avec les Thermomix, du tout, du tout. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je vais la faire. Alors j'ai encore du gâteau à la maison. Le gâteau, c'est pas ce qui manque à la maison. Mais par contre, j'essaye de faire de nouvelles choses pour que les enfants puissent un peu varier et surtout qu'ils puissent manger quelque chose. Pour ce qui est des pommes, comme vous voyez avec moi, je viens du coup les couper en quatre, de retirer les pépins à l'intérieur. Et ensuite, je viendrai les mettre tout simplement dans une casserole avec un petit peu d'eau. Et je vais laisser les pommes cuire pour que ça fasse une compote. D'ailleurs, ce que moi je n'ai pas fait parce que j'étais vraiment très prise par les enfants et j'y ai pas pensé, j'aurais dû en même temps, pendant que les pommes étaient en train de cuire, mettre une assiette par-dessus la casserole et mettre le chocolat dedans pour que celui-ci puisse fondre au bain-marie. J'ai complètement oublié de le faire, donc j'ai dû refaire la même opération plus tard. Donc là, pendant que vous mettez vos pommes dans votre casserole avec de l'eau, au lieu de mettre un couvercle, vous mettez tout simplement une assiette creuse, par exemple, et vous mettez votre chocolat à l'intérieur, et il va fondre pendant que les pommes sont en train de cuire. Mon velouté a cuit entre-temps. J'ai rajouté quelques vaches qui rient à l'intérieur. C'est super bon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, je le faisais beaucoup quand mes enfants étaient petits. Et j'ai également rajouté un petit peu de crème. C'est hyper bon. Essayez si vous ne l'avez jamais fait. Et par contre, j'ai servi des toutes petites assiettes pour vraiment les motiver à manger. Au maximum, je voulais pas trop remplir. Ah, mais en fait, les médicaments, ils vont dans l'estomac. Les médicaments, ils font mal à l'estomac, oui. S'ils trouvent, bah oui, s'ils trouvent que l'estomac est vide, comment ils vont faire? Aya est en train de manger à table. Elle a plutôt bien apprécié le velouté. Mais par contre, pour ce qui est de Wail, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il était vraiment très très mal. Ne serait-ce que pour l'asseoir, ça a été compliqué. Donc vous n'imaginez même pas le fait de devoir lui demander de manger. Du coup, j'ai réussi à lui faire manger son assiette complète. Et j'étais bien contente. Croyez-moi, c'était une victoire. Donc quand c'est comme ça, j'essaye d'y aller avec des petites blagues, j'essaye de jouer un petit peu avec eux, de rigoler un petit peu, etc. pour que ça passe bien les choses. Et en règle générale, ça passe plutôt bien. Les enfants ont mangé du coup le velouté.
La journée est très spéciale, hein, vraiment très très spéciale. La preuve, j'ai la tête d'une maman qui est complètement débordée. Mais bon, ça va. Franchement, je vais pas trop me plaindre parce que eux qui sont malades ne se plaignent quasiment pas. Ouais, il est vraiment vraiment pas bien. Ça va? Ouais. Il a son bol pour pouvoir vomir si jamais c'est pressé. Du coup, Aya adorait le velouté, elle l'a mangé, mais elle, ça va un petit peu mieux puisque elle a commencé à être malade avant son frère. Et du coup, Wail, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment compliqué pour lui. Il a mangé le velouté, il a mangé une assiette et demie. Et à la fin de l'assiette, il a vomi la moitié de tout ce qu'il avait mangé. Mais bon, il me dit qu'il se sent mieux. En fait, je pense que vu qu'il n'avait pas mangé, il avait mal à l'estomac, mais vu qu'il n'a rien mangé, du coup, il vomissait, mais que de l'eau. Là, le fait d'avoir ressorti... autre chose que de l'eau, je pense que ça lui a fait du bien. Par contre, ramasser du vomi, c'est très, 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 très compliqué. Les selles, ça ne me dérange pas. L'urine, ça ne me dérange pas. Mais le vomi, je pense que comme beaucoup, 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 c'est très compliqué. Et puis l'odeur et tout, c'est horrible. Mais bon, ça va, il va un petit peu mieux. Là, tout lui fait mal à la tête, le pauvre. La lumière lui fait mal au crâne. Le son de la télé, s'il est trop fort, ça lui fait mal à la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Sinon, le velouté en lui-même, sans parler de maladie, il est extrêmement bon. Vraiment très très bon, surtout avec les deux vaches qui rient et puis trois grandes cuillères de crème. C'est vraiment hyper bon. Et puis moi, j'attends que mon chocolat soit fondu. Je l'ai mis au bain-marie. J'aurais dû le mettre en même temps que les pommes, mais je suis tellement à l'ouest que j'y ai pas pensé. Du coup, les pommes, ça y est, sont cuites. Le chocolat est en train de fondre et après il n'y a plus qu'à faire ce fameux gâteau et après je vais aller me poser parce que j'ai l'impression d'être un petit peu partout et en même temps je suis en train de faire des calculs par rapport au devis des travaux que je vous disais. Je viens de recevoir un nouveau devis, mon mari est en réunion donc je suis en train de l'étudier toute seule. Le devis me paraît exorbitant au niveau des prix. Donc je suis en train d'étudier encore le nouveau devis. Il fait le double de ce qu'il devrait faire ou de ce que en tout cas les autres nous avaient déjà fait. Donc voilà, multifonction, bonjour. Je me dis heureusement que l'appartement est propre et qu'il n'y a pas grand chose à faire dans l'appartement si j'avais les enfants malades. L'appartement dans un sale état, moi qui devais faire 36 000 choses à la fois, j'aurais été vraiment pas bien. Donc là je suis contente que la plupart des choses... soit bien, sauf que ouais, là, pendant que là, juste au moment là, les deux minutes où je suis en train de papoter avec vous, il s'est levé quatre fois pour vomir. Je lui ai mis carrément un bol à côté de lui parce que c'était pas, enfin, un récipient quoi, parce que c'est pas possible, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Il est malade, petit bout. Ah, ouais, oui, Lou, je vois pas, hein? Il est tout rouge comme une tomate. Il est chaud brûlant. Petit bout de chou. Mais bon, ça ira mieux demain, je suis sûre. Ah ouais, tu penses que ça ira mieux demain? Bah oui, c'est même sûr. Hein. Bah oui. Bon, pendant que le chocolat est en train de fondre, du coup, je vais rajouter les autres ingrédients. Donc là, j'ai les pommes que j'ai écrasées. Il n'y a pas beaucoup de lumière, parce que vous voyez, la lumière lui fait mal à la tête. Donc j'ai baissé la lumière. J'ai besoin de 50 g de farine. Donc là, ma balance, elle est à zéro. Et on va mettre 50 grammes. Voilà. Ensuite, on a besoin du coup de sucre. Voilà. Là, on est bon. Pour le sucre en poudre. Je déglingue tout, ça va pas le faire. 120 g de sucre en poudre. Bon, j'en ai mis un peu trop. Hop, voilà. Je vais ensuite rajouter du coup la cuillère de vanille. Rajoute également les œufs. Donc on a besoin de 3 œufs.
Qu'est-ce qu'il y a, Wawil? Ah, c'est le dessin animé, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'avais quelque chose. Bah alors, Wawilou, tu fais peur à maman. Non, il peut pas parler, mais il réagit. Bah, il réagit très fort maintenant. Oui, il réagit très fort. Bon, ouais, il est en train de parler de son corps qui réagit. Alors, je rajoute du coup le chocolat. J'ai l'impression que l'assiette va finir par me glisser des mains. Tout va bien. Bon, Wawil, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout, Wawil. Ça sert à rien en fait, tout ce que tu as mangé. Ah bah oui, si tu me le ressors, ça sert à rien. On va se fâcher avec ce corps qui fait plein de... Est-ce que c'est de ma faute ? Comment ? Est-ce que c'est de ma faute ? Non, c'est pas de ta faute, mais ton corps, je vais être fâchée avec lui. Est-ce que tu veux goûter quelque chose ? Il a mangé une bonne assiette de soupe. C'était et après, bon la soupe ? Et après, il a tout ressorti. Allez, Alexis, elle a mangé. C'était bon la soupe ? Ah bah, il y a la soupe. Mais bon, ça sert à rien si après il la ressort entièrement. Non, je t'en ai pas donné beaucoup, Lolo. Une fois avoir bien mélangé du coup et une fois que c'est bien homogène, je mets tout dans mon plat. Et ensuite, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et c'est parti pour une cuisson à 180 degrés du coup pendant 30 minutes. Et vraiment, le gâteau est léger, il est excellent. Pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, je vous ai déjà partagé la recette avec des courgettes et la recette avec des carottes. C'est excellent, vraiment. On n'a pas du tout le goût ni de la courgette ni des carottes. Et le goût, il est excellent et c'est sans matière grasse. Ensuite, j'ai mis un petit peu de sucre glace pour la déco. N'hésitez pas à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez. Et je vais venir le couper avec vous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.